Welcome, everyone, and a very special welcome to Alain Mabankou, l'un des auteurs majeurs de la littérature francophone, who will deliver the third State of European Literature under the title Pour une autre Europe. His lecture will be commented upon by author Vamba Sherif and literary scholar Judith Jansma, and we are very honored by your presence as well. I'm Sabine van Wezemaal, member of the faculty board, and on behalf of the board, I would also like to thank Guido Snell and Margot Dijkgraaf for organizing this annual event. Le Conseil de la Faculté salue de tout cœur cette excellente initiative. The 2022 edition of the State of European Literature is hosted by the UvA Faculty of Humanities and SPUI 25 and supported by ACES, the Amsterdam Center of European Studies, OSL, Research School for Literary Studies, and of course, bien sûr, l'Institut Français. I'm the director of the Graduate School of Humanities, responsible for all 86 master programs we offer, but I'm also a literary scholar. Récemment, j'ai lu avec mes étudiants de première année un de vos romans, Monsieur Mabankou, Les cigognes sont immortelles, qui tourne autour du jeune collégien Michel, qui a une réputation de rêveur. My students from the European Studies program read the novel in the English translation, The Death of Comrade President. I fully agree with you qu'on parle plus le français ailleurs qu'en France. French is spoken all over the world, mais malheureusement pas tellement aux Pays-Bas. Vous écrivez en français, donc vous allez nous parler en français. And it is in a way reassuring that so many have come to listen to your lecture in French. Vous parlez cinq langues du Congo-Brazzaville, le français, l'anglais et peut-être encore d'autres langues, et votre œuvre se nourrit des interférences entre ces différentes langues. Multilingualism is advantageous for people wanting to participate in globalization and cultural openness. That's something we are also very aware of, and that's why we offer a wide scale of language programs from Danish to Italian and from Arabic to Russian. Il est extrêmement important qu'une personne soit capable de s'exprimer dans plusieurs langues, and that's why I have decided to address you in both English and French. My students appreciated your novel very much. Selon eux, la force de ce roman réside tout d'abord dans le langage courant, le regard enfantin, dont ils apprécient la fraîcheur et l'ironie, qui est parfois autodérisoire. Je cite, « Sinon, on va encore dire que moi, Michel, j'exagère toujours et que parfois je suis impoli sans le savoir. » C'est une remarque qui parcourt comme une sorte de leitmotiv burlesque tout le roman. « Which I don't want to go in detail about here, or people will say, Michel always goes over the top, and that sometimes he says rude things without meaning it. » is a sort of running gag in the whole novel. Cette dimension légère et apparemment frivole n'empêche pas le narrateur de livrer une analyse historique et politique précise et critique, comme dans ce portrait amusant et significatif que Michel trace du président, ex-président Georges Pompidou. Je cite, « Eh bien, nous, ça nous arrangeait, car Pompidou, c'est un nom que nous aimons bien. C'était comme le surnom d'un bébé gentil qui boit son biberon le soir et qui s'endort sans embêter ses parents jusqu'à 7 heures du matin. » In English, now actually that suited us very well because we really like the name Pompidou. It sounded like the name of a good little baby that drinks its bottle and goes to sleep without bothering its parents before 7 in the morning. Michel is not as naive as the text suggests. Les cigognes sont immortelles offre une perspective sur les mécanismes de la société africaine et notamment sur le rôle des colonisateurs, sur la cohabitation des différentes ethnies et sur les influences européennes, soviétiques, chinoises et américaines. This novel is about cross-continental connections and as all your novels, it discusses the issue of increasing levels of multilingualism and multiculturalism worldwide, so also in Europe, pour une autre Europe. Monsieur Mabankou, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous donne la parole. The floor is all yours. Thank you very much for
such an amazing praise. I wasn't mistaken when I said to myself that I need to go back to Denmark. And just because I overheard that European literature was suffering a lot, and then I came here with my little tools in order to help, like cure all kind of diseases I did find in European literature. So thank you very much for inviting me here. Thank you very much for the University of Amsterdam, the sponsor, my family from the French Institute, l'Institut Français, France Embassy too. And I see in the room my sister who came to see me in Africa Aware System. You know, the chief of the village, Wamba, who is here, who's going to be like helping me remember Africa. So I cannot begin this without also thanking Margot, who helped me to come here. Where's Margot? Margot is here. She's like a kind of guru who went to find me in France and brought me here and helped translate my book into your language. So I'm going to switch in French because I wrote it in French to satisfy also my French audience, the French Institute, everything, because they were scared that I'm like forgetting my French. So I want to reassure them that I'm not going to escape from the house. I'm still the same guy. Pour une autre Europe, lorsqu'on me demande si l'émigration, c'est-à-dire le déplacement, influe sur mon écriture, il m'est impossible de donner une réponse précise et définitive. Sans doute parce que je suis de plus en plus persuadé que le déplacement, le franchissement des frontières, nourrit mes angoisses, contribue à façonner un territoire imaginaire qui, finalement, ressemble de près ou de loin même à ma terre d'origine. Il y va de ma propre quête intérieure, de ma façon de concevoir l'univers. J'ai choisi depuis longtemps de ne pas m'enfermer, de prêter l'oreille au bruit et à la fureur du monde, de ne jamais considérer les choses de manière figée. Je ne suis pas devenu écrivain parce que j'ai émigré. En revanche, j'ai posé un autre regard sur ma patrie une fois que je m'en suis éloigné. Dans mes premiers écrits, tous ébauchés au Congo, je sentais qu'il manquait des pièces, que mes personnages étaient cloîtrés, respiraient à peine et me réclamaient plus d'espace. L'émigration a ainsi contribué à renforcer en moi cette inquiétude qui fonde à mes yeux toute démarche de création. On écrit parce que quelque chose ne tourne pas rond, parce qu'on voudrait déplacer les montagnes ou faire passer un éléphant dans le trou d'une aiguille. L'écriture devient alors à la fois un enracinement, un appel dans la nuit et une oreille tendue vers l'horizon. Né en Afrique, au Congo-Brazzaville, j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse en France avant de m'installer aux États-Unis. Le Congo est le lieu du cordon ombilical. La France, la partie d'adoption de mes rêves, et l'Amérique, un coin depuis lequel je regarde les empreintes de mon errance. Ces trois espaces géographiques sont désormais soudés et il m'arrive d'oublier dans quel continent je me couche et dans lequel j'écris. J'aime toutes les villes que je traverse. Je suis émerveillé par tous les lieux qui ne ressemblent pas à ceux de mon enfance. J'y arrive le soir, le cœur léger, la tête vide de toute pensée. On n'est pas émigré lorsqu'on exporte ses manières, ses coutumes,
ses goûts en vue de les imposer dans les pays qui nous reçoivent. C'est parce que l'endroit dans lequel nous vivons est tellement opposé à notre milieu naturel que ressurgissent soudain les images de notre enfance, la clameur de nos rues, les souffrances et les joies de notre peuple. C'est pendant les périodes de tornades qu'on reconnaît les vertus d'un ciel bleu, l'envol d'un oiseau libre et le fleurissement d'une essence dont on cherche en vain le nom jusqu'au jour où on se rappelle qu'elle pousse également derrière la case de son père ou dans un jardin public du quartier de Mongali à Brazzaville. C'est dans le désert qu'on réalise que l'océan Atlantique et le fleuve Congo sont une bénédiction divine. Pour autant, le danger serait de considérer ce qu'écrit un immigré comme des notes jaillies de sa nostalgie. On peut avoir le mal du pays, même en restant chez soi. Je ne suis pas nostalgique, je couvre de l'inquiétude celle de quitter un jour ce monde sans avoir découvert ce minuscule détail qui nous relie. Parfois, il m'arrive de me dire que je suis un Européen, qu'on le veuille ou non, que c'est le soleil qui m'a brûlé. Qu'est-ce qu'un Européen, en fait, pour un Congolais? Difficile de le dire. J'ai longtemps cherché une explication sans jamais la trouver. Et puis, l'Europe est un concept mouvant. Il échappe aux stratèges, aux vendeurs en solde des utopies de la pensée unique. L'Africain serait-il inapte à formuler sa propre définition de l'Europe? Voici par exemple ce que dit le dictionnaire Robert, aussi dieu du mot « européen ». Un Européen, c'est quelqu'un qui est d'Europe. Ou bien, un Européen, il s'agit de ses habitants. Un Européen, l'Europe, c'est favorable à la construction européenne. C'est-à-dire, en Afrique, on va dire un Européen, c'est une personne, toute personne blanche non africaine. C'est le dictionnaire qui nous donne la définition des Européens. Donc, être Européen, ce qui est d'Europe, ce qui est relatif aux habitants européens. Mais quelle Europe? Mais quels habitants? Qui sont ces habitants européens? Le plus important, et c'est ce qui me concerne, c'est la définition de l'Europe que nous prête le dictionnaire Robert à nous autres Africains. Donc pour nous les Africains, l'Européen ne serait que la personne blanche non africaine. Mais l'Afrique aurait ainsi une conception raciale de l'Europe. Tous les Blancs qui sont non-africains seraient à nos yeux des Européens. En déconstruisant un peu cette définition africaine, on s'aperçoit qu'elle reconnaît quand même l'existence des Blancs africains, à qui nous autres Noirs africains dénierait le statut d'Européens. Donc cette représentation est très critiquable parce qu'elle enferme, elle limite, elle cloisonne, elle divise, elle réduit. À la limite, elle a un seul avantage. Elle prouve que nous autres Africains avons saisi depuis bien longtemps les subtilités de ce monde. Nous avons préparé ce monde aux spécificités des hommes. Nous avons pris en compte l'attachement à une terre et non à une race. Nous accepterions volontiers de dire d'un blanc de l'Afrique du Sud qu'il est africain. La littérature africaine est riche de ses couleurs. Les romanciers Mia Kouto, Nadine Gordimer, Déon Meyer et bien d'autres sont des blancs. Ils ne sont pas des Européens, ils sont des Africains. De même que le blanc qui vit au Zimbabwe et qui n'aura connu que cette terre. Mais là s'arrête peut-être la pertinence de cette conception. Si au Zimbabwe, par exemple, un président monarque à vie, Robert Mugabe, s'est livré à l'époque à la chasse aux blancs, ce n'était pas parce que le gibier se faisait de plus en plus rare dans la brousse. Ce président rappelait à ces Africains qu'ils étaient des blancs, donc des Européens.
même si certains d'entre eux n'avaient connu que cette terre zimbabwéenne. Pour ce dictateur zimbabwéen, empêtré dans son labyrinthe, tous les blancs demeureront européens, peu importe qu'ils n'aient connu d'autres terres que l'Afrique. Et lorsque ces blancs africains sont refoulés vers l'Europe, ils errent tels des apatrites. En Afrique, on les montre du doigt. En Europe, on les regarde avec des gros yeux. Ils sont déconnectés de ce continent-là, qui n'a rien à voir avec leur univers des tropiques, leur espace d'enfance. La définition que le dictionnaire Robert prête aux Africains contient suffisamment d'ingrédients pimentés pour alimenter l'animosité, le repli. Et c'est cette idéologie qui justifie la guerre des races, la montée de la haine, la chaîne des expropriations hors des décisions judiciaires. Le dictionnaire Robert estime que pour les Africains, l'Européen, c'est toute personne non africaine, personne blanche non africaine. Faut-il en conclure que l'Europe est le continent de toute personne blanche et non africaine ? On gomme ainsi la rencontre des individus, l'adhésion aux idées, les greffes de l'histoire. Dirait-on que pour les Asiatiques, l'Européen, c'est toute personne de race blanche et non asiatique ? Et chez les Océaniens, qu'en serait-il ? Je vois d'ici la définition presque à l'emporte-pièce que donneraient les Américains du Nord. Est européenne toute personne de couleur blanche et non américaine. Donc l'Amérique étant majoritairement blanche, territoire de peuplement qui plus est, c'est un remue-ménage qui s'annoncerait des tonnes et des tonnes de pages d'histoire à brûler. C'est sans doute dans le but de tempérer la susceptibilité des communautés que l'Amérique a forgé des appellations qui rattacheraient tout le monde à la nation sans pour autant dissimuler son lien d'origine. Ainsi, a-t-on les Africains, aussi on a les African Americans, les Asian Americans, les Indians Americans, etc. Les conséquences sont lourdes et montrent une société débordée par la gestion des minorités. Chaque communauté vivant par ailleurs dans son coin. Avec la multiplication des moyens de communication, nous avons donc créé des contrées, des ramifications à travers le monde. Rome n'est plus dans Rome. L'écrivain devient alors cet oiseau migrateur qui se souvient de sa terre lointaine, mais qui entreprend aussi de chanter depuis la branche de l'arbre sur laquelle il est perché. Ces chants d'oiseaux migrateurs relèvent-ils encore des littératures nationales ? Je n'en suis pas certain, pas plus que je suis persuadé que la littérature se contenterait d'un espace défini. J'habiterai n'importe quel endroit du monde pour peu qu'il héberge mes songes et me laisse réinventer mon univers. Je suis à la fois un écrivain et un oiseau migrateur. Et ma conception de l'identité dépasse de très loin les notions de territoire et de sang. Chaque rencontre me nourrit. Il serait vain de se cantonner au territoire, d'ignorer la multiplication des interférences et par-delà la complexité de cette ère nouvelle qui nous lie les uns aux autres, loin, mais bien loin des considérations géographiques. Pour ne pas remonter jusqu'à Mathusalem, je dirais que l'histoire, surtout celle de la colonisation, nous a montré que le territoire pouvait être imaginaire. Il pouvait dépasser les frontières, braver les variations climatiques, brasser les langues et les races. Dans ce sens, la France, par exemple, n'a-t-elle pas étendu son territoire au-delà des mers, constituant un empire dont la puissance et les rayonnements éclataient aux yeux du monde. Le général de Gaulle, en 1966, au cours d'une visite en Martinique, allait d'ailleurs s'exclamer devant les autochtones : « Mon Dieu, comme vous êtes français !»
À cette époque-là, la nation était alors perçue dans un sens plus large, voire idéologique. Elle était fondée sur l'idée du renforcement de sa place dans le monde. Elle était fondée, non seulement si on regarde bien, on constatera d'ailleurs que la France s'étend encore jusqu'au département et au territoire d'outre-mer, ce qui devrait suffire à recadrer la conception que nous nous faisons du territoire, à moins de considérer ces îles lointaines comme des simples spots de bronzage pour les métropolitains au teint très pâle. Rome n'est plus dans Rome, elle est toute où je suis, écrivait Corneille, battant en brèche l'idée d'un territoire fixe. Quant à la capitale française, elle fut déplacée pendant l'occupation allemande. Paris n'était plus à Paris, mais à Brazzaville, devenue du coup la capitale de la France libre, pendant que Radio Brazzaville devenait la voix de la France. L'historien Olivier Luciani résume... Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là. Non, it's okay. Okay. So where I'm gonna go back? Ah, ok. Je vois. Mais merci. Hein. Alors, où sont les métropolitains au teint pâle? Métropolitains au teint pâle. Is it me? Is it me? Yes, now. Ok. Alors, mes fois de là. Peut-être Rome, hein? Ok. Ah là là. Ok. Définition que je donne, les revers, elle pense, ils sont déconnectés. Voilà. Les conséquences sont lourdes. La question des peintres. Au teint pâle, voilà. Voilà. Donc au teint pâle. Donc Rome n'est plus dans Rome, elle est toute où je suis, écrivait Corneille, battant en brèche l'idée d'un territoire fixe. Quant à la capitale française, elle fut déplacée pendant l'occupation allemande. Paris n'était plus à Paris, mais à Brazzaville, devenue du coup la capitale de la France libre, pendant que Radio Brazzaville devenait la voix de la France. L'historien Olivier Luciani résume les difficultés de l'époque en disant, d'une part, depuis l'été 1940, la France libre impose aux colonies ralliées un effort de guerre particulièrement lourd. D'autre part, le président Roosevelt ne cache pas son désir de substituer aux empires coloniaux un système de tutelle internationale. La France devait batailler pour garder ses possessions, selon la formule de De Gaulle dans ses mémoires. Nous autres Congolais, nous entrions donc dans la guerre comme un morceau de France. C'est encore dans cette capitale, Brazzaville, qu'aura lieu la fameuse conférence de Brazzaville en 1944. Elle réunissait de hauts fonctionnaires coloniaux en présence de De Gaulle pour élaborer des projets de réforme à mettre en œuvre après la libération de la France. Il s'agissait de préserver l'empire colonial en le rénovant quelque peu. Une question se pose alors. Faut-il toujours attendre une tragédie, un conflit mondial pour démystifier le territoire? En tout cas, nous aurons franchi un grand pas lorsque nous admettrons que chacun de nous traîne avec lui une parcelle du territoire d'origine, qu'il est comptable de son rayonnement, voire de sa dépréciation à l'étranger. En Amérique, je suis souvent tombé sur des Français qui me considéraient vraiment comme leurs compatriotes, mais donnant l'impression que, à l'étranger, quelle que soit l'origine raciale, les Français élargissaient enfin leur perception de la citoyenneté. Comme si, pour mieux définir ce qu'est une nation, nous devrions quitter notre territoire
et nous retrouver dans un endroit où notre culture deviendrait enfin le lien substantiel. Si le territoire doit désormais être reconsidéré, il en va de même de l'identité. Sans doute faudrait-il revenir à l'origine même de ce mot et constater combien les marchands de la peur opèrent afin de détourner une notion mouvante en une idéologie suicidaire pour la nation. Les dictionnaires ont-ils leur mot à dire dans ces débats ? L'identité, c'est-à-dire qui a été empruntée au bas latin identitas, signifie qualité de ce qui est le même. Mot lui-même dérivé du latin idem. Donc l'identité exprimant alors le caractère de deux objets de pensée identiques, puis plus tard ce qui est un, et le dictionnaire historique de la langue française, de préciser que le droit et l'usage courant définir le mot comme le fait pour une personne d'être un individu donné et de pouvoir être reconnu comme tel. En somme, l'identité est d'abord rattachée à soi, au moi, à l'existence de l'individu au sein de la société. L'identité fait la singularité de l'individu ou du groupe. De même qu'un individu a une carte d'identité, le groupe aussi possède sa carte d'identité. Mais quels sont les éléments qu'on mettrait dans la carte d'identité du groupe ? Qui va définir ces éléments ? Ben, à défaut de mesurer l'ampleur même de la métamorphose de la société contemporaine, on essaie de nous faire croire qu'on peut gouverner le comportement social par décret. On profite de cette presse, et bien les pêcheurs de voix pour les élections ont recouru aux archaïsmes et aux valeurs abstraites. Qui pourrait aujourd'hui donner, par exemple, une définition de l'identité nationale ? À écouter ceux qui la promeuvent, nous serions en pleine crise identitaire. En la matière, il faudrait, pour parodier les titres d'un ouvrage du sociologue Jean-Claude Kaufmann, procéder à une invention de soi. Kaufmann propose en effet de fournir à l'individu la reconnaissance, le consentement et l'amour des autres dont il a besoin pour se sentir exister en tant qu'individu à part entière, car le moi n'est personne sans les autres. L'individu n'existe réellement que lorsqu'il est reconnu par le groupe, d'autant plus que c'est la loi du groupe qui définit le cadre de la mobilité individuelle. À défaut de cette reconnaissance par la République, des poches de résistance se sont créées ici et là. Des groupes édictent leurs propres lois, prenant pour cible ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans ces zones, mais qui, depuis leur forteresse d'énarque, les montrent du doigt. Des identités de zone ont vu le jour, repoussant les normes collectives qui donnent l'apparence de toujours être plus implacable avec ceux qui se considèrent comme les parias de notre temps. Les débats initiés en France sur l'identité nationale n'auront pas suffi à calmer les multiples crises du moi. Qu'est-ce que finalement cette identité nationale ? On se souvient qu'au sommet de l'État, même le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, perdait son latin et se contentait de lâcher pendant la campagne électorale. C'est dire ce que nous sommes. L'identité, ce n'est pas dire ce que nous sommes, c'est plutôt dire ce que nous serons dans l'entrelacement de ces échanges, de ces frictions, de ces migrations et de cette ère qui s'annonce comme celle de la complexité du genre humain. Ce constat reste à faire, car je suis souvent choqué lorsque certains conçoivent, par exemple, l'Afrique comme une unité, alors qu'elle est aussi complexe que le territoire nord-américain. Oui, de même que l'Amérique est un espace de superposition d'origine, d'ethnie, l'Afrique n'est pas aussi uniforme qu'on le croit, et les différences culturelles sont aussi marquantes que celles qu'on trouverait ici. Comme l'Amérique,
L'Afrique a connu les guerres de sécession, l'esclavage, la ségrégation raciale, les génocides et que sais-je encore. À cela, il faut rajouter la confusion créée par les ethnies et l'idéologie occidentale qui nous inculqua le rêve du nègre supérieur comme l'Allemagne songea à l'époque à la race aryenne. Peut-être faudra-t-il se faire à l'idée qu'il conviendrait de redéfinir la notion même d'Afrique et de ne plus se borner à une conception géographique et figée du continent noir. Et si, au lieu de parler d'Afrique, on parlait des Afriques, formule déjà osée par l'écrivain Henri Lopez du Congo dans le titre d'un de ses romans « Paris au seuil, chercheur d'Afrique ». L'Afrique n'est pas seulement en Afrique, elle n'est plus seulement en Afrique. En se dispersant à travers le monde, les Africains créent d'autres Afriques, les Africains tentent d'autres aventures, peut-être salutaires pour la valorisation des cultures du continent noir. Revendiquer une africanité est une attitude fondamentaliste et intolérante. L'oiseau qui ne s'est jamais envolé de l'arbre sur lequel il est né comprendra-t-il le chant de son compère migrateur? Nous avons besoin d'une confrontation, d'un face-à-face des cultures, peu importe le lieu. Le défi, pour conclure, consiste à rapporter de nos différences, de nos différentes appartenances, ce qui pourrait édifier positivement un destin commun et assumé. En somme, comme le souligne Amine Malouf, chacun devrait pouvoir inclure dans ce qu'il estime être son identité une composante nouvelle appelée à prendre de plus en plus d'importance au cours du nouveau siècle, du nouveau millénaire, le sentiment d'appartenir aussi à l'aventure humaine. Je vous remercie. Thank you, Alain Mabankou, for this wonderful, wide-ranging reflection on territory, identity, Europe, Africa. But I will not respond to your lecture. We have two eminent speakers to do that. I would first like to invite Judith Jansma, and let me briefly introduce you. Judith Jansma is an assistant professor in European culture and literature at the University of Groningen. And in her research, she provides an interdisciplinary perspective on the reception of controversial cultural works in our polarized societies. And it will not surprise you that some of her research has been on the work of Michel Houellebecq. In her PhD, she studies the various ways in which right-wing populists in France and the Netherlands make use of culture to forge socio-cultural identities of us and them. And there are, of course, many intersections with your work and what Mr. Mabankou has been sharing with us tonight. So, Judith, the floor is yours. Thank you for that very kind introduction, and thank you also for this invitation to be present here today. I'm extremely honored to speak here tonight and following after this really interesting, intriguing talk. So I was indeed asked to provide a short response to the talk that has just been provided to you by Mr. Mabankou from my perspective as a literary scholar who has a background in French studies. So listening to Mr. Mabankou speaking, I was most intrigued by his critical consideration of borders, of categories, of fixed definitions in the discussion of individual and group identity. In fact, he draws a parallel between the author and the migratory bird. Like the bird, the author crosses borders, whether physical ones or not, and inhabits several places between which they comfortably and naturally move. Following this analogy, we could imagine the author adopting a bird's-eye view on society, overseeing our world while flying from one place to the next.
For the author, as migratory bird, the homeland is thus a notion that requires critical reflection. What if one finds oneself between countries, in exile or fleeing from war or oppression? Are there any real alternatives to the notion of the homeland? The German thinker Theodor W. Adorno wrote that for a man who no longer has a homeland, writing becomes a place to live. The text becomes the author's house, which they, just like their thoughts, order, furnish, and rearrange. And this echoes a more recent statement by author and Goncourt laureate Leila Slimani, who said in 2018, "I am Leila Slimani, I am French, Moroccan, I'm an author, and the French language is my homeland." These insights allow us, literary students and scholars, to problematize the strong entanglement between the nation and literature. Today still, though a bit less than when I was a student, when I started my bachelor in 2007. Literature is frequently studied in its national context. Students of French literature, for instance, read Molière, Voltaire, Baudelaire, Proust, Camus, before being introduced to the so-called francophone authors like Marie Condé, Anne Hébert, Assia Debar, Kamel Daoud. Yeah, I'm thinking. Okay, we're set. I'll try not to touch anything here. I was saying, before they're being introduced to so-called francophone authors like Marie Condé, Anne Hébert, Assia Debar, Kamel Daoud, or perhaps Alain Mabankou. In this light, literature is seen to represent a country, a culture, a language, but we tend to forget that these can overlap. Being a world language, French has readers, speakers, and authors on all continents. Roughly 10 years ago in my university, the separate language departments were merged into one big program of European languages and cultures. But are French, English, or Spanish really European, per se? And while being spoken by millions of Europeans, why are languages such as Arab, Chinese, and Turkish not included in the program? It is clear that drawing borders and defining categories creates an artificial order, one that in this case reflects a Eurocentric vision of the world. Moreover, studying literature beyond its national borders makes it possible to focus on topics that transcend the national context. Imagine, for example, reading Frantz Fanon together with James Baldwin, or Alice Zeniter's L'Art de Perdre next to Alfred Berny's The Talk from Java. Both novels deal with notions of good and bad in times of colonial conflict in Algeria and Indonesia, respectively, and relate how local Algerian and Indonesian soldiers of the colonial forces were left on their own devices after the war had ended. If we look at literature through our national lenses, it is to be expected that literature also becomes the playground of discussions on national identity. Who can be part of us and who cannot? Literature can thus play a role in framing what defines us as a nation as opposed to other nations, and how we can make sense of our present selves by asking where we come from. In my PhD dissertation, I analyze how populists in France and the Netherlands make use of culture to shape notions of what the real and authentic French or Dutch citizen looks like. For example, Michel Houellebecq's controversial novel Soumission, which depicts France's sudden Islamization, was framed by Marine Le Pen as a fiction that could one day become reality. It was subsequently included on a reading list of her party, Rassemblement National, to educate her voters on the topic. Fiction becomes reality. And talking about the carte d'identité, in the Netherlands in 2007, many people were offended when then Princess Maxima stated that she hadn't been able to find the Dutch identity. De Nederlander bestaat niet, she said. In fact, she found that the country and culture were too multifaceted and complex to be grasped in one single image.
This reminds us that, especially in times in which national identity is omnipresent in contemporary political debates, we should be wary of essentialist interpretations of identity, culture, and literature. To come back to Mr. Mabankou's earlier words that identity goes beyond territory and blood, literature exceeds the nation and its national language. Rather, it is a universal language that allows us humans to make sense of our lives and those of others. Let me end by repeating again, I think, the main message of Mr. Mabankou's final statement, that we readers and writers alike should overcome our different backgrounds and build a common and shared future. Thank you very much. Thank you, Judith. And I do agree that Groningen should also offer Turkish and Arabic and Chinese. And yeah, we are offering Turkish as of this year, but we also have a long way to go. The next respondent is Wamba Sherif. And let me also briefly introduce you. You are a novelist, essayist, you're a critic, and your debut novel, in Dutch, Het Land van de Vaders, in English, Land of My Fathers, is about the founding of Liberia as the first African republic in the year 1822. Your work has appeared in many languages in translation, Dutch, English, French, German, Spanish, and even the Indian Malayalam. You're also a prolific writer of essays and reviews, short stories, columns, and opinion pieces, and this also in several languages, not just in the Netherlands, but also beyond the Netherlands. Most interestingly, also for the topic of tonight, you have compiled together with Ebisse Rau an anthology called Black Afro-European Literature in the Netherlands and Belgium. In April 2021, and that would be your latest book, you published a memoir called Ongekende Liefde, Unprecedented Love, in which you tell the life story, you tell your life story in a letter to your 10-year-old daughter Bendu, the namesake of your mother. And tonight you are here to respond to the lecture of your good friend Alain Mabankou. The floor is yours. Thank you so much, Guido. Thank you so much, Alain and Judith. Yes. I have to be very aware of this. I'm not going to make the same mistake again. Once upon a time, in a forest town somewhere in Liberia, I happened on a comic book with the story of a young French woman who dreamed of becoming a writer. Her name was Colette. I must have been 11 years old or thereabouts, and my world revolved around books, especially novels, and the possibilities they offered. I'd never heard of Colette before, but as I read about her, I became fascinated by her determination to make her voice heard, even if that meant initially publishing under her husband's name. Colette's story further affirmed the hope in me to become a writer, to astound, to anger, and to suit the world with words. This hope was nurtured by the world around me, by the stories my ancestors had written in manuscripts kept in my father's house, by folk tales handed down to me under moonlight or in the dim light of unsheathed light bulbs. Already at that tender age, literature had done something extraordinary for me. It had opened up and expanded in me the territory of belonging, so much so that that territory now encompassed not only the African continent, of which I was a product, but Asia, the Arab world, America, Europe, and now France, of which Colette was a product.
I felt an affinity with her, like I will feel years later with dozens of European writers, including Pushkin, especially when I discovered his praise song of an Africa that lived only in his imagination. Pushkin had expanded his territory of belonging. Literature is the only territory in which I felt then and still feel that I truly belong. And in my attempt to draw up the contours of that territory, I found, to quote my colleague and friend in his lecture tonight, that I'm not confined to a specific physical territory. In fact, like Alain and like many other writers, I try to do away entirely with boundaries, with identities, or I attempt to forge new ones to create, as he had said, new Europes or new Africas. It says a lot about our time when writers like Alain and 100 others who were once consigned to the periphery of empire to now begin to assert that there's not one Europe or one Africa, not one identity, but a multitude of identities, a multitude of Europes and Africas. If this means anything, then it surely must mean that the periphery is becoming the center, and that the energies and efforts required to achieve that goal are now determining the course of the new Europe, creating in the process new territories and identities. But we know that this progress has not come about without a cost. There was a time, not so long ago, when the work of writers like the great Malian novelist Yambu Ologunwemi, especially his Le Devoir de Violon, came under scrutiny. This subversive, original, and raging work, which called to mind Arthur Rimbaud, Isaac Singer, the griots of the African continent, Kafka, and many others, could not have been written by that young African. He must have plagiarized passages from other work. The same was said of the Guinean writer Kamaralai masterpiece, Le Regard de Roi, The Radiance of the King. But nowadays, in the new Europe, the work of those who were once considered at the edge of empire are now being heaped with praises. In fact, one of them, quite recently, a Mohamed Mbour Sarr, angered or inspired by the injustice done against a fellow writer, against Ologunwemi, decided to resurrect his work and thereby prove to the world that no true effort will ever go unappreciated. Ologunwemi has been restored to us, and now he is accompanying us on the journey of expanding the territories of literature and of the imagination. And yet, there are still challenges. For the stories that make up the new Europe are diverse, urgent, and valid in their worth. But most of these stories are yet to be told. Meanwhile, some elements in this new Europe staunchly opt to put emphasis on a fixed identity and not on an evolving one, on what they think we are and not what we could be. It is therefore incumbent upon all of us to create the environment conducive to telling the stories of the new Europe, for in them lies the future of European literature. Thank you. To conclude, Alain, can I invite you to briefly respond to your generous responders. Briefly. I don't know if I have to respond. I think that we share everything about the idea of the identity, and Van by me, we represent the next
generation of the Africans born after the independence here, and we don't carry the anger just because we overheard what have been said in the past about European, about Asian. We are trying just to build another way of thinking. And seeing that Judith also is like working with us as we are moving forward, that shows me that life gonna be possible, the dialogue gonna be possible. We are not just cursed. We are not cursed because of the past, but we have the task to work together and to try to understand one another in order to create another world which is different of what people are trying to show to us. Thank you. I want to thank the three of you again, and I want to thank the audience for being here tonight, and hopefully see you again next year for the fourth edition. But first of all, and finally, a warm applause for our three speakers.